Bonjour à tous! Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la Web TV. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de l'émission BD.com avec d'autres chroniqueuses, Daphné et Inès. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les aventures du petit Yogi. Attention, par contre, nous allons vous dire des informations sur l'histoire, ce qui risque de vous spoiler. Alors, juste avant qu'on en parle, il va s'afficher ceci. Cette BD parle avant tout des chakras. Mais Inès, c'est quoi? Comment tu dis des chakras? Des chakras, c'est comme une pompe qui fonctionne avec de l'énergie. Toi, là, tu en as 7 principaux dans ton corps. Quoi? À l'intérieur de mon corps? Et 7 en plus? Mais je veux pas finir comme dans Alien, moi! Mais non, réveille-toi, ne t'inquiète pas. Ce sont des esprits, des êtres imaginaires. Et ils ont tous une couleur attribuée. Ah, ça me rassure. Par exemple, le vert c'est le cœur et le violet c'est le cerveau, etc. Ah ok, je comprends mieux. Mais sinon, c'est quoi l'histoire? Cette BD parle d'une fille, Janou, qui vient au monde et qui découvre petit à petit ses chakras qu'elle est la seule à voir. Ah ok, bah moi ça commence à me plaire. Et sinon, ça finit comment? Ah, mais j'aurais jamais cru que... Pour éviter que notre ami dévoile toute la fin... Mais non, mais je voulais juste dire que... On va parler du nombre de livres. Donc, il y a 8 tomes. Et l'auteur, c'est Jérôme Gaden. Et la dessinatrice, elle s'appelle Wonder Jeanne. Ah, c'est une dessinatrice! Alors, c'est pour ça que l'auteur, à la fin, il a fait... On est arrivé à la fin sans trop spoiler. Je l'aurais bien baïonné, mais elle a déjà un baillon, donc... C'était BD.com. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir la notification de la prochaine vidéo avec... de nouvelles BD. Ciao, ciao.